Cette sœur, elle a choqué énormément de personnes. Mais moi, je suis là pour vous donner un conseil pour ceux qui font des comptes comme elle. En fait, ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle fait des comptes où, entre guillemets, elle donne des conseils aux femmes, mais elle le fait pas trop avec des bonnes convenances. Du genre, elle a fait des vidéos du genre, quand ton mari, pardon, il rentre chez toi, tu trucs son pantalon, tu le dé... Bref, des trucs, vraiment, laisse tomber. En fait, si vous êtes vraiment sincère, vous voulez donner des conseils à des sœurs pour les aider dans leur vie intime et tout, faites des groupes privés. Ne faites pas des vidéos comme ça sur TikTok. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce qu'il y a d'autres sœurs qui le font, même dans la communauté francophone. Si vous voulez faire des conseils spécialement pour les femmes, dans les choses intimes, etc., faites des groupes privés, par exemple Telegram. Mettez comme condition que la personne soit une femme. Bon, après, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir contrôler certains faux comptes ou quoi, mais dans tous les cas, au moins, vous faites cet effort, vous, à votre échelle, de faire ce message que pour les sœurs. Parce que là, il y a des hommes qui tombent. C'est chouma, c'est la honte. Comment ça, un homme, il tombe sur ta vidéo, t'es là, tu dis oui, ma sœur, quand ton mari rentre chez toi, tu baisses son pantalon, tu fais ceci, tu fais cela, c'est n'importe quoi. Donc, ça se dit, même si tu veux donner des conseils, fais des conseils entre femmes et fais-le avec bon comportement. Fais-le avec des convenances, ne parle pas de manière échec. Voilà, donc c'est pas genre, ouais, mise en garde contre cette sœur ou quoi, hein, je regarde pas ces vidéos, mais c'est juste qu'on m'a parlé de ce compte-là. Moi, je dis juste, si une sœur veut faire des conseils pour des sœurs pour les aider dans leur vie intime, bah, il y a des sœurs, peut-être qu'elles ont besoin de ces conseils, mais essayez de le faire dans un domaine privé.